Vous savez, ce sont les meilleurs clubs des confédérations qui sont présents ici. Donc, Pachuca, c'est le champion de CONCACAF, composé de joueurs mexicains, mais aussi de beaucoup de joueurs étrangers. Parce qu'il y a des Argentins, Manso. Colombiens, il y a même des Américains qui ont fait la dernière Coupe du Monde. Torres, c'est un Américain qui a joué contre la Slovénie lors du dernier mondial. Donc, c'est des bonnes équipes. Beaucoup de joueurs qui ont joué en Europe, qui ont joué en Allemagne, qui ont joué en France, qui ont joué en Espagne. Et le capitaine Bolívar a joué à Monaco, ça je m'en souviens. Et donc, cette équipe, c'est ce que je disais pour Pachuca. Voilà, pour cette équipe, ils ont l'habitude de conserver la balle. Tous les matchs que j'ai vus, ils ont été menés au score. Voilà, là aussi, vous savez qu'on s'attaquait à un monstre du football mondial parce qu'eux, ils ont annoncé la couleur, ils ont sacrifié leur championnat, ils ont tout sacrifié pour se consacrer à cette Coupe du Monde. Et malheureusement, on était sur leur route et nous aussi, on avait envie de nous faire connaître sur le plan international, en tout cas sur le plan mondial. Voilà, avec de la réussite et beaucoup d'abnégation, nous avons réussi. Et maintenant, on s'attaque à l'Inter de Milan, qui ne se présente plus dernier vainqueur de la Ligue des Champions.